Salut à tous, je suis Laurentio et dans cette vidéo, je vais parler de tous les jeux Titeuf pour les GBA. Et comme il n'y a pas de critique du jeu en français, j'ai pensé faire cette vidéo aussi en français. Je suis désolé pour mon accent, je suis roumain. Donc, le français n'est pas ma langue maternelle. Titeuf The Gag Machine est un jeu très basique. Titeuf The Gag Machine est un jeu avec une idée très originale. Vous blaguez les gens. Et ces farces consistent à parcourir la carte et à collecter des objets pour votre farce. Vous devez jeter les objets collectés sous les pieds de vos victimes et ils tombent. Après cela, vous vous enfuyez. Le principe est simple, mais le jeu devient de plus en plus complexe à mesure que vous avancez. Vous pouvez également combiner des éléments, en créer de nouveaux et utiliser plusieurs éléments pour la même victime pour augmenter votre score. Les objectifs du jeu ne sont pas nombreux. Vous devez soit blaguer toutes les personnes indiquées, soit obtenir le score indiqué. Dans l'ensemble, c'est un jeu qui peut devenir ennuyeux, mais je ne peux pas dire que le jeu est mauvais. Il vous faut environ une heure à battre, et même si à un moment donné, le jeu peut devenir ennuyeux. Mais il reste un jeu original avec un gameplay intéressant. Titeuf Mega Compé est une collection de mini-jeux. Les mini-jeux sont amusants et donnent de la variété au gameplay. Tous les mini-jeux sont liés à une histoire et je trouve les jeux fantastiques. Je ne vais pas présenter chaque mini-jeu car j'ai mes vidéos brèves et les gens semblent simplement sauter la vidéo sans même écouter ce dont je parle. Donc je vais juste vous dire que dans l'ensemble, les mini-jeux sont amusants. Il y a quelques vraiment amusants qui vous feront sourire. Je vous recommande ce jeu. C'est vraiment bien. C'est dommage que personne ne le sache.